Salut tout le monde, c'est GG440 pour une nouvelle vidéo sur FIFA 12. Donc je vous ai fait un truc comme ça pour mettre un peu de l'ambiance au début et tout. Donc j'espère que ça vous a plu le truc que j'ai fait. C'est pas une intro, c'est juste de la musique derrière ce truc. Et puis voilà. Donc on va faire un match, on va faire Espagne-Portugal parce que ce soir c'est la demi-finale alors que je vous fais la vidéo. Donc j'espère que le Portugal va faire tomber les Espagnols. Donc je suis un peu pour les deux, parce que j'aime bien le Portugal, parce qu'il y a Cristiano Ronaldo. Et l'Espagne est une très bonne équipe, j'aime bien aussi. Donc je préférerais que ce soit le Portugal, parce que ça serait joli quand même que le Portugal élimine les tenants du titre. Donc voilà. Donc je vais prendre le Portugal. Et voilà. Donc je vais le mettre en semi-pro, je pense. Là, vous voyez Cristiano Ronaldo. Allez. Voilà. Allez, quel beau but. Quel beau but. Regardez ça. C'est pas merveilleux, ça. Donc, on va commencer. Donc, c'est pas grave, ça. Et je vous ferai peut-être un match en ligne. Après, parce que je peux faire maintenant des vidéos de plus de 15 minutes. Mais ça, c'est bien. Portugal, Espagne. Donc, section nationale. Espagne. J'ai envie de jouer en blanc. Et les Espagnols vont jouer en rouge. Donc, gestion d'équipe. Je vais mettre Cristiano Ronaldo en début. AIG. Non. Quaresma. Ça a l'air bon tout ça. Je vais maintenir le nom. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, je vais faire paramètres et je vais me mettre en semi-pro, je pense. Ou je sais pas, parce que là je suis en amateur. Paramètres de jeu, semi-pro, voilà, donc c'est bon, donc j'espère que la caméra est bien centrée, ouais, c'est bon, là, Cristiano Ronaldo, faire un petit coup franc, ouf, quel beau coup franc. Ouh là là, je le voyais dedans. Ouh, juste à côté, mais qu'il allait vite. Donc on va commencer le match. Un dernier tir. Qui va être peut-être le banc. Non, c'est pas grave. Commencer ce match. Portugal-Espagne. Pronostic pour l'Euro 2012, des demi-finales. Donc, les Espagnols ont bien commencé leur match pour l'instant. Que je mette un peu dans ce match, moi. Voilà, c'est bon. On va commencer bien le match. Nani, allez Nani. Ah, il a trop poussé, j'ai trop poussé le ballon. C'est pas grave. Ah, purée, mince. Xavi. Ah, purée, pourquoi il va jouer là-bas l'autre? L'idiot. Il aurait pas dû faire ça, le joueur espagnol. Cristiano Ronaldo. Oulala. Oulala, je suis passé. C'était bien joué ce lob. Ouh là là, j'ai bien. Je commence là, j'arrive dans la partie. Là, je pense bien à bien jouer. Ouh là là, Bruno Alves, c'est ça, je crois que c'est Bruno Alves. Ouh là 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 là, ils sont chauds les Espagnols.
Ah, purée, merci. Iniesta. Oh, oh là là, je suis très mal. Oui, c'est bien ça. Avec Quaresmas. Ah, j'aurais pas dû prendre l'intérieur. J'aurais dû prendre l'extérieur de Puyol ou de Piqué, je sais pas où. Ouh là là. Mata, 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 mata. Allez, on va relancer un peu ce ballon. J'aurais pas dû faire ce geste technique. Je crois que j'allais le passer, mais non. Oui, c'est Bruno Alves. Nani, oui, c'est bien ça. Il est passé, Nani. Allez, maintenant, la porte ouverte. Donc là, avec... Ouh, je suis prêt là. Je suis prêt. Oui, ça c'est bien joué. Nani le centre. Quaresma n'a pas pu faire la tête. Alors, avec Fabio Contrao. Nani! Ah, purée, j'aurais dû contrôler ce ballon. J'avais pas vu qu'il était tout seul, Nani. Mince, je me suis trompée. Donc, si vous entendez un peu de bruit, ben, c'est pas grave. Je vais mettre sur pause, parce que, en fait, c'est mes parents qui sont en train de parler. Voilà, donc je reviens en 2 minutes. Donc voilà, c'est bon. Je suis de retour. Voilà, donc mince. En plus, j'ai perdu la balle. Super. Oh non. Oui, Ronaldo. Mais pourquoi je vais tout le temps faire un lob? Ça m'énerve. J'aurais dû essayer de croiser ma frappe. Avec Xavi là. Juan Montino, ouais, parce que pourquoi ça, il part de ce côté le ballon. Et si vous avez vu, je vais vous dire quand même, c'est que j'ai appris ce matin, Didier Drogba devrait partir au FC Barcelone. Il devait partir là à Shanghai en Chine. Il a annulé son contrat pour peut-être partir au FC Barcelone, et apparemment c'est vraiment dans la poche pour les Barcelonais, pardon. Donc Barcelone aurait une équipe, mais franchement moi j'aimerais bien que pour le Real, parce que je suis pour le Real et l'OM. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, j'aimerais bien que Neymar, l'attaquant de Santos, il vient au Real. Alors lui, il est super fort aussi. Ce serait vraiment cool qu'il vienne là-bas. Et Giroud apparemment partirait à Arsenal. Et Chamakh, il ferait un échange avec Chamakh. Chamakh partirait à Montpellier. Franchement, Chamakh à Montpellier. Chamakh à Marseille, hein, ou à Bordeaux même. Un club, vous allez me dire, ouais, mais Montpellier, ils ont été champions de France. Ils ont même pu. Ils ont eu de la chance, pardon. Ils avaient fait une bonne saison. Ah, mercredi. Et penalty pour le Portugal. Allez, c'est ça que c'est bon, salut donc. Allez, Ronaldo. Et oui, l'ouverture du score! Cristiano Ronaldo, et en plus,
C'est Saxeman et B. Valdez, non, Casillas a pris un rouge et Valdez est rentré. Et Valdez, c'est une grosse pipe. Voilà. Non, il est bon Valdez, mais il joue à Barça. Il joue au Barça, à Barça. Non, je rigole. J'aime bien Barcelone quand même aussi. Mais je préfère Casillas. Oui, mamie, oui. Oui, 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 oui. Ouh là là, juste à côté. Je prends le dessus là. Après, je pense que je vais montrer mon équipe Ups My Team. Je sais pas. Je vais voir. Non, je pense pas, non. Christmas. Oh là, il y a faute encore normalement. Pas bien de tirer celui-là. Oui, mamie, quel beau but! Magnifico! Ouh là là, ce but! Il tire pleine puissance! Quel beau but! Magnifique! Bas transversal, but! Purée, dans une vidéo, un but formidable! En plus, en live! Voilà! Quel beau but de Nani! Avec les joueurs espagnols, là je crois que c'est plié. Il y a Mosquera qui revient, il va avoir du mal. Donc là il tourne un peu en rond. Bruno Alves avec le ballon en profondeur pour Cristiano Ronaldo. Alors là, Cristiano Ronaldo. Alors là, quelle belle passe! Quelle belle passe du passeur portugais! Magnifique, 3-0 pour le Portugal. Magnifique. Franchement, magnifique. J'aurais préféré que la demi-finale fasse France-Portugal. Mais les Français ont été minables. Surtout à l'image de Maxès, de Benzema. Moi, le plus vaillant, je trouve, dans cette équipe de France à 7 euros. Et bien, malheureusement, ça a été Ribéry. Ribéry, Franck Ribéry, le plus vaillant. Qui s'est battu comparé à d'autres. Parce que à d'autres, là, ils m'ont vraiment énervé. Ils jouaient pas. Quand on prenait un but, après, ils jouaient pas. Ribéry, il relançait les ballons et tout, même si on perdait 2-0 contre l'Espagne. Et ça, je trouve que c'est un vrai joueur de football. Même si Ribéry, on lui reproche tout et tout. Pour y reprocher un peu plus quand même à Karim Benzema. Parce que lui, on dirait qu'il joue qu'au Real. Ouh, Fabio Contra! Oh, que c'est beau ça! Je me débute super joli aujourd'hui. Ah, j'ai bien eu l'idée de faire cette vidéo. Quel beau poteau! Allez! Donc, c'est pas grave pour vous, là. Il y a mon père qui est rentré. C'est pas grave. N'inquiétez pas, ça va pas faire beaucoup de bruit. Parce qu'il sait que je suis en pleine vidéo, là. Donc, avec Nani! Avec Nani toujours, le centre! Quaresma! Et non! Sergio Ramos. Ouh là là, attention à Fernando Llorente, je crois. C'est un nom bizarre. Iniesta. Aïe 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 aïe. Oui, ça rassure quand même. Mais là, Xavi qui avait armé sa frappe. Et c'est là. Ah non, il sort. Je crois que c'était la fin du match. Oui, c'est la fin du match. Là, je tape finish move après. Pourquoi j'ai l'espace? Je pensais que ça va faire. On va pas prendre un but à la fin, là. Ça serait un peu débile.
Je crois que ça va être ça. Bon, là, je sors avec le gardien. Voilà. Et c'est bientôt fini, j'espère. Parce que je sors avec le gardien. Non, j'ai bien fait. Et c'est la fin du match. 4-0 pour les Portugais. Donc là, ça fait déjà 16 minutes que je fais la vidéo, ça va. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire retour à l'arène. Donc là, vous n'écoutez pas le bruit. C'est pas grave. Il y a beaucoup de bruit là, parce qu'il y a toute ma famille chez moi, donc je pense que j'espère que ça va pas vous déranger dans la vidéo. Je vais que vous le dire ça, mais c'est l'habitude. Donc, allez, on va vous montrer mon... je vais vous montrer mon équipe Ultimate Team. Comme ça. Et après, je pense que j'ai arrêté la vidéo. Donc, j'ai pas des très bons joueurs. Avant, j'avais des bons joueurs. Et je les ai tous vendus pour essayer d'acheter quelqu'un. Mais j'ai fait la bêtise et j'avais pas assez d'argent. Donc, avant, j'avais... en entraîneur Laurent Blanc, j'avais Valbuena, Giroud. Valbuena, je crois que j'ai encore. J'ai trois joueurs hors choix. Vous allez voir. Donc, ça charge. Charge, pardon. Équipe. Là. J'ai Gamero. Non, j'ai plus. Après, c'est que des. Lui, il est pas mal, Clayton. Je connais. Lui aussi il est pas mal et voilà, après c'est pas des bons joueurs. Après j'ai deux équipes donc la team 40. Là, donc il manque beaucoup de joueurs à celle-là. Non. Ouais, bon, non, on s'en fiche. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien vous abonnez à ma chaîne, vous mettez j'aime et mettez. Des commentaires, parce que j'aimerais bien avoir des commentaires, j'en ai jamais. Donc voilà. Allez, salut tout le monde!